What's up, Pikachalité? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de TLC 2020, le dernier pay-per-view de la WWE, le dernier pay-per-view de cette année 2020. Vous êtes prêts? Que la review commence. Bon, est-ce que vous avez aimé TLC? Bah, moi franchement, j'ai très bien aimé ce pay-per-view. En effet, franchement, j'étais vraiment très très indécis de voir un pay-per-view où il n'y a pas de match de table, match de échelle et match de chaise. Et franchement, ça m'a un petit peu gêné. Mais au final, ça a payé le quiproquo. Et surtout que des matchs qui, franchement, j'étais pas du tout hypé. Et bah au final, ils étaient très très bons. Bien sûr, au moment où je tourne cette vidéo, le pay-per-view vient tout juste de se terminer, il est 4h15 du matin, je suis crevé, j'étais hyper hypé dans ce pay-per-view, franchement, ça... WWE, ils ont vraiment bien réussi leur coup, franchement, ils ont fini une année 2020, mais en beauté, avec un très très bon pay-per-view, et on va voir ça ensemble. Bon voilà, on a le kick-off, oui, le kick-off, bon, on a quelques petites voilà, interventions dans le kick-off, avec par exemple MVP qui va parler du match entre Earth Business et You New Day, en disant voilà que ces poulains du Earth Business vont remporter le titre et qu'au final on va avoir le Earth Business qui va toucher l'or. Ou sinon voilà, on va avoir le Miz, voilà, comme d'habitude, qui va dire oui bah voilà, je peux encaisser ma veine quand je veux, donc si j'estime que je vais pas cacher, j'ai pas besoin de cacher ma veine maintenant, je vais pas le faire, je vais attendre. Comme tout le monde. Et nous avons Airtus qui tout simplement dit ah, je me propose comme partenaire d'Asuka car c'est moi qui ai plus de titres à WWE. Mais tu n'as que titre 24/7 en ce moment, Airtus, donc il y a que ça, ok, t'es champion, donc t'es pas vraiment candidat adéquat. Enfin bref, on va passer donc au match qui a été annoncé dans le kick-off. Donc on voit vraiment qu'on a un côté babyface, côté heel. Donc côté babyface, donc, nous avons Big E, Daniel Bryan, Chad Gable et Otis. Et de l'autre côté, donc des IR, nous avons le roi Corbin, Shinsuke Nakamura, Cesaro et le champion intercontinental Sami Zayn. Donc déjà, quand je regarde cette carte, je me dis Big E, c'est lui qui va être mis en avant, c'est Sami Zayn qui va payer les pots cassés. Bah, j'avais raison. Et franchement, ça m'a fait énormément mal au cœur de voir Daniel Bryan dans le kick-off, de voir Nakamura dans le kick-off. Donc je crois que l'édition de SmackDown, Nakamura, on peut pas faire pire. Et franchement, bah le match, bon, pour un kick-off est assez correct. Et bah il s'est passé ce que j'ai prédit. Car nous avons à un moment donné Big E et Sami Zayn qui sont les deux hommes égaux du ring. Et là donc Sami Zayn veut passer au relais. Mais le problème c'est qu'il n'y a personne de son côté. Et donc au final nous avons une séquence entre Big E et Sami Zayn qui se solde par un big ending de Big E sur Sami Zayn pour le compte de 3, donc vainqueur de ce match, donc l'équipe de Babyface, donc Daniel Bryan, Otis, Big E et Chad Gable. Et on voit clairement que ce kick-off sert juste à mettre Big E en avant pour que ce dernier puisse obtenir un match de championnat face à Sami Zayn. Bon, maintenant on va passer aux notes. Donc bah franchement, pour le kick-off, voilà, je vais mettre un petit 6 sur 10, quand même assez sympa, parce que voilà, c'est kick-off et on voit clairement que c'est juste un moyen pour la WWE de nous faire poireauter avant le commencement de la carte principale. Et en parlant de la carte principale, bah nous commençons direct sur les chapeaux de roue par un des matchs TLC de la soirée, le champion de la WWE Drew McIntyre face à AJ Styles. Et beaucoup de questions s'interrogent sur déjà les possibilités d'intervention de Homos. Le Miz va-t-il cash-in? Sheamus va-t-il intervenir pour sauver McIntyre et après le trahir? Bah, il y a eu beaucoup de choses. Mais franchement, le match, j'ai rien à dire. Franchement, pour un opener, c'était le meilleur opener qu'il fallait proposer WWE. Et c'est ce que vous avez fait. Franchement, le principe TLC est bien respecté. On voit vraiment des énormes séquences, des passages à travers les tables, les échecs qui sont super bien utilisés. Et AJ Styles qui fonce vraiment sur une des jambes de Drew McIntyre, dans sa jambe gauche. Des carp crushers, donc avec utilisation d'échelles, de chaises. Franchement, c'est génial. Et là, d'un coup, McIntyre s'apprête à récupérer son titre. Et nous avons le Miz qui arrive, qui fait passer McIntyre donc à travers une table avec un powerbomb. Mais on se dit, mais il n'y a pas la mallette. Donc, est-ce qu'il va cash-in maintenant? Et ben nous avons John Morrison qui arrive avec la mallette et qui fait valider
Donc, le cash-in de The Miz. Donc, le Miz cash-in la mallette en plein match. Et donc, le match se transforme en Triple Threat TLC match. C'est officiel, le Miz a cash-in et devient la deuxième superstar de l'histoire après Seth Rollins à avoir cash-in sa mallette en plein match. Et donc, le Miz veut en profiter pour cash-in sa mallette. Mais nous avons Omos qui décide d'intervenir. Car je vous rappelle que Omos est présent depuis le début, mais il n'intervient pas du tout. Franchement, alors que c'est un match en disqualification, frère. Si tu veux, t'interviens dès le début, tu massacres McIntyre, parce qu'avec ton physique, t'en es largement capable, et bim, et Jessa récupère le titre. Mais non, t'as pas décidé, tu décides pas d'intervenir. Ok, on s'est à se demander si vraiment AJ Styles est heel, parce qu'on voit clairement, déjà rien qu'en début d'année avec Gallows et Anderson, où AJ Styles, il a beau être heel, mais ses confrères, ils intervenaient pas, sauf quand ce dernier se retrouvait en difficulté. Et bah là, ce soir, c'était pareil. Et donc au final, j'ai adoré parce que Omos attrape le Miz, mais il le porte comme un petit bébé. Et franchement, c'était génial. Et il le fait passer à travers une table, et nous avons John Morrison qui est armé d'une chaise, qui veut donner un coup de chaise à Omos, mais la chaise se brise au contact de Omos. Donc imaginez la puissance du mec, quoi. C'est pas AJ Styles qui aurait dû affronter McIntyre, c'est Omos. Parce qu'au rythme, c'est parti, c'est comme ça, ça va se dérouler. Omos et Omos contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Bon, je vais me calmer un petit peu. Mais voilà, Omos s'occupe de Morrison. Morrison qui prend la fuite. Donc nous avons que les 3 catcheurs disponibles. Donc AJ Styles, McIntyre et Miz. Et je vous cache pas qu'à chaque moment, je suis en mode PS de voir Miz qui peut récupérer le titre à deux doigts. McIntyre qui fait pareil. AJ Styles qui fait pareil. Oh, mais là, franchement, c'était incroyable ce match. Et McIntyre, sur une jambe, parvient à monter sur une échelle et à récupérer son titre de champion de la WWE. Oh, là, franchement, j'étais mais en mode PLS. Et ce n'est que premier match du show, quoi. Tu dis, putain, les mecs, ils nous ont vraiment mis dans l'ambiance, vraiment, de se dire, putain, mais qu'est-ce que ça va être le reste du show. Donc, on va passer sur la note. Je vais mettre un énorme 8 sur 10. Franchement, c'est génial. Mais voilà, quand même des petits points noirs, comme je vous ai dit. Voilà, Omos qui met 3 ans pour intervenir. Mais sinon, le match, il est très très bon. Franchement. Mais on n'a pas eu Sheamus. Sheamus était aux abonnés absents. Il est même pas venu pour célébrer, ne serait-ce qu'avec McIntyre. Et encore moins de trahison. Reste à voir du côté de SmackDown. Reste à voir du côté de Raw comment ça va se dérouler. Et donc là, on passe au deuxième match de la soirée. Et franchement, sur le papier, c'était un des matchs que vraiment, j'attendais vraiment pas. Il s'agit du match entre Sasha Banks et Carmella. Et franchement, le match, je suis assez surpris en fait. Le match, bah, y a pas grand chose à dire. Il est juste, voilà, correct. Avec de belles séquences entre Sasha Banks et Carmella. Et à se demander si l'associé de Carmella allait intervenir dans le match. Et puis surtout, est-ce qu'on va avoir ce match pourri qu'on a eu à SmackDown, parce que WWE en serait bien capable. Et bah non, on n'a pas eu ce match-là. Et franchement, de très très belles séquences entre Carmella et Sasha Banks. Mais on voit clairement que côté gimmick, Carmella, c'est juste sa tenue vestimentaire et son thème d'entrée qui ont changé. Parce que sinon, il n'y a rien qui change. Parce que niveau des coups, je suis désolé, c'est exactement pareil. Super Kick, Code of Science, il n'y a que ça. Voilà, la panette de coups de Carmella, ça n'a pas changé. Pas de nouveau finish, hein, rien du tout. Et voilà, donc il y a eu intervention, voilà, de l'associé. Et j'ai pas compris à ce moment-là, parce que son intervention est flagrante. Parce que Carmella se fait prendre dans le bank statement. Et il tire Carmella à l'extérieur du ring, mais sous les yeux d'arbitre. Mais l'arbitre ne siffle en aucun cas la disqualification ou il renvoie dans les vestiaires de l'associé. Ça, j'ai pas compris. Mais au final, voilà, Sasha même parvient à s'en débarrasser. Carmella veut en profiter. Mais problème, c'est que Carmella a pris beaucoup de temps. Elle a paniqué dans le stress, voilà. Elle a porté un X-Factor. Sasha même se dégage au compte de deux. Au lieu de retenter de tomber, elle rentre en panique. Donc en gros, elle a fait ce qu'elle reprochait à Sasha Banks. Donc en gros, voilà, en étant sous la pression, Carmella a pris de mauvaises décisions. Et donc Sasha Banks en a profité pour porter le bank statement pour la soumission finale. Donc gagnante de ce match et toujours championne de SmackDown, Sasha Banks. Et franchement, comme je vous dis, ce match, je suis agréablement surpris de ce match, parce que je pensais vraiment que ça allait être une merde incontestée, mais au final, le match est plutôt correct. C'est pour cela que je donne une note
de 7 sur 10 sur ce match, parce que franchement, c'est un match plutôt correct pour un match auquel je m'en foutais royalement au départ. Donc là, on passe en coulisses avec notre championne Asuka, qui se prépare bien sûr pour son match contre Shayna Baszler et Nia Jax. Et nous savons toujours pas, à ce moment-là, qui est sa partenaire mystère. Et donc, nous avons Billie Kay, voilà, comme elle fait d'habitude, voilà, elle postule, elle donne son CV, et donc, elle se présente comme étant, voilà, une potentielle partenaire pour Asuka, et elle dit même, ouais, regarde, j'ai fait mon masque, ouais, bon, un masque fait maison, mais franchement, pas vraiment qu'on va te prendre en tant que partenaire avec ce que tu nous fais à SmackDown. T'es avec Natalia, tu perds, t'es avec Tamina, tu perds, franchement, t'es très mauvais choix. Et même Asuka lui dit, mais t'es pas prête pour Asuka, et franchement, d'un côté, je comprends Asuka. Donc là, on passe au match de championnat par équipe de WoW, le New Day contre le Earth Business. Et donc, on a eu une petite interview, voilà, du New Day. Et donc, on demande, voilà, par rapport au précédent résultat, que c'est Earth Business qui gagnait les matchs. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Et donc, Xavier Woods explique que, voilà, c'est un grand match. Le New Day est présent pour les grands matchs. Et nous allons terminer 2020 en tant que champion tag team de WoW. Et franchement, le match, j'ai vraiment rien à dire. Franchement, j'étais à fond derrière le Earth Business, parce que je me dis, voilà, c'est maintenant qu'il faut devenir champion. Et surtout, je m'attendais avec impatience au comportement de Cedric Alexander. Parce que comme vous le savez, Cedric Alexander, depuis un moment, bah, c'est souvent l'image, voilà, du jeune catcheur qui est en train de prendre la grosse tête et qui, au final, aurait pu faire perdre son équipe. Et bah, au final, pas du tout. Et franchement, de très très bonnes séquences entre New Day et Earth Business. Et ça sent vraiment une odeur de renouveau, bien qu'on voit ce match-là depuis pas mal de temps du côté de WoW, mais voir, voilà, en pay-per-view, bah ça fait du bien. Ça fait du bien, tout simplement. Et on voit qu'à un moment donné, Shelton Benjamin a la situation en main, donc il s'apprête à en finir avec Kofi Kingston, et nous avons donc Cedric Alexander qui fait black tag à Shelton Benjamin, et là tu te dis, ça passe ou ça casse. Soit Cedric Alexander va donner la victoire à son équipe, ou justement faire perdre le match à son équipe. Et bah, au final, Cedric Alexander parvient à porter son Lumberjack, donc sa prise de finition, sur Kofi Kingston pour le compte de 3. Donc, gagnant de ce match et nouveau champion tag team de WoW, le Earth Business. Et franchement, j'ai surkiffé. Et on voit que bah Cedric Alexander, il est tout fou, voilà, il remporte son premier titre à la WWE, parce que je compte pas le titre Cruiserweight, mais voilà. Et tu vois même Bobby Lashley qui est présent, qui accueille ses partenaires du Earth Business, qui est heureux de voir que lui est champion des États-Unis et ses deux partenaires sont champions par équipe. Et franchement, je trouve ça génial. Et donc, pour ce match, j'ai décidé de mettre un très très beau 7 sur 10, franchement, c'est bien mérité. Et ça récompense vraiment le travail qu'a fourni Earth Business depuis sa création. Et franchement, c'est largement mérité leur titre par équipe de WoW. Et j'espère sincèrement qu'ils vont renouveler cette division par équipe. Car je cache pas, mais avoir pas beaucoup d'équipes, bah ça pose problème dans la division. Et donc voilà, on passe à un des matchs où pareil, j'étais pas vraiment hypé. C'était plus, voilà, une question sans réponse. Le match féminin par équipe avec Asuka et une part de Tamina Mystère contre Nia Jax et Shayna Baszler. Et franchement, j'ai feuilleté internet durant toute la semaine de voir les potentiels noms de catcheuses qui pourraient catcher aux côtés de Asuka. Et franchement, les noms, il y en a eu plein. Il y a eu par exemple Yoshirai pour faire une équipe 100% japonaise. Il y en a, ils ont été fous, ils ont pronostiqué Kairi Sane qui reviendrait à la WWE. Pourquoi pas les débuts de We Are Weepy de NXT dans le roster principal. Pourquoi pas, bon, si on suit la logique, Dana Brooke ou Mandy Rose. Pourquoi pas une Lana combattante, voilà, malgré la douleur, elle revient taper ses adversaires. Ou il y en avait, voilà, qui avait cité, pourquoi pas, Peyton Royce suite à un tweet. Et ben non, c'était un autre nom qui a été énormément cité sur les réseaux sociaux, car la partenaire mystère de Asuka n'est d'autre que Charlotte Flair. Et franchement, je vous cache pas, je suis pas du tout surpris, car je suis Charlotte Flair sur les réseaux sociaux, et on voyait qu'à un moment donné, elle s'entraînait vraiment, on voyait ça sur les réseaux sociaux. Elle avait mis un post sur Instagram où elle disait qu'elle voulait finir l'année forte. Donc à mon avis, c'était un potentiel retour de Charlotte Flair.
et pourquoi pas finir l'année en tant que championne. Et bah nous avons donc eu Charlotte Flair qui était donc la partenaire de Asuka. Et tu regardes niveau storytelling, ça coïncide un petit peu parce que pour rappel, Charlotte Flair dont niveau storyline est parti sur blessure suite à une attaque de Nia Jax. Donc ça pouvait voilà coïncider avec la rivalité entre Charlotte Flair et Nia Jax. Et donc le match, bah en soi j'ai bien aimé. Bon bien sûr je cache pas quand Nia Jax est dans le ring c'est une véritable catastrophe. Mais heureusement que nous avons Charlotte Flair, Asuka, Shayna Baszler qui sont là pour rattraper les mêmes. Et au final bah le match j'ai super bien aimé avec voilà des petites tentatives par exemple de Kurifuna Clutch de Shayna Baszler. Charlotte Flair qui contre avec une Becky Lynch. Donc en gros voilà elle tente de river les épaules de Shayna Baszler pendant que Shayna Baszler porte sa prise. Et Charlotte Flair parvient à porter le figure 8. Elle porte la prise en 8. Mais Shayna Baszler contre. Mais Charlotte Flair enchaîne avec Natural Selection pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match et nouvelle championne par équipe de la WWE, Asuka et Charlotte Flair. Et c'est vrai que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont déjà commencé un peu à gueuler. Ouais, Charlotte Flair qui revient et bim, elle est de nouveau fois championne. Oui, mais championne par équipe, c'est différent. Et à noter que Charlotte Flair a enfin toutes ses ceintures à son compteur. Car en effet, Charlotte Flair est deux fois championne NXT, elle est plusieurs fois championne à Raw et à SmackDown. Mais elle n'a jamais gagné les titres par équipe. Et le seul moment où elle combattait pour les titres par équipe, c'était l'année dernière contre Asuka et Kairi Sane. D'ailleurs, c'était aussi à TLC, c'était le main event de l'année dernière. Et donc, grâce à ça, Charlotte Flair devient, pour la première fois de sa carrière, championne par équipe. Et donc, elle a au final toutes les ceintures en de la WWE. Et nous avons enfin Asuka Tubert. Le fameux Asuka Tubert qu'on attend depuis pas mal de temps ce mois-ci. Car en effet, Asuka a eu plusieurs opportunités de devenir Asuka Tubert. Donc, faut pas oublier, par exemple, à SummerSlam. Où Asuka était à la fois la challengeuse de Bayley et de Sasha Banks. Ou encore à Clash of Champions où, Bayley a proposé un open challenge. C'est Asuka qui répond, elle était championne de War. Donc quand même, WWE nous teasait vraiment une Asuka to bait depuis un moment. Et donc au final, Asuka devient pour la troisième fois de sa carrière championne par équipe de la WWE. Et franchement, bah qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On n'a rien d'autre à dire quoi. Et donc, pour ce match, je vais mettre un bon 7 sur 10, vraiment. Vous pouvez dire que mes notes sont un peu sévères, mais voilà, je juge quand même sur beaucoup de trucs. Et c'est vrai que déjà qu'à la base, j'étais pas vraiment hypé sur ce match. Et puis au final, franchement, j'ai bien aimé le match. J'étais pas forcément surpris du retour de Charlotte Flair, parce que son retour, voilà, tout le monde l'attendait. WWE attendait avec le meilleur moment pour le faire. Mais il y a une question qui me tourne l'esprit. Parce que là, nous avons le retour de Charlotte Flair. Mais Andrade, est-ce que vous pensez qu'il va revenir à WoW? Parce que WWE prévoyait de nous faire revenir Charlotte Flair en compagnie d'Andrade. Donc là, nous avons le retour de Charlotte Flair à TLC. Donc est-ce que Andrade va suivre du côté de WoW? Affaire à suivre. Et donc là, nous sommes en coulisses avec Big E et Ertus. Et nous avons, voilà, Sami Zayn qui est en train de péter un câble comme il nous fait d'habitude. Et il accuse Big E de conspiration. Donc en gros, que match du kick-off, c'est tout simplement Big E qui a tout simplement planifié, etc. pour un plan pour avoir un possible match de championnat contre Sami Zayn. Mais il dit que tout simplement non. Moi j'ai rien fait, ça sert à rien. Et donc Sami Zayn va critiquer Big E en disant que ouais mais moi je suis champion intercontinental alors que toi t'es une blague depuis que t'es plus avec tes potes du New Day. Et là Big E envoie un avertissement à Sami Zayn en lui disant vas-y continue à jouer mec, on va se revoir très bientôt. Donc est-ce qu'on va avoir un match Big E Sami Zayn pour le titre intercontinental prochainement? Restez connectés. Et là donc là, il nous reste plus que deux matchs. Le match TLC et le Firefly Inferno match. Qu'à votre avis, quel match va être le main event? Parce qu'on se dit, si le main event c'est The Finn Orton, est-ce qu'on va se partir sur un match cinématographique? Si on passe maintenant sur le Firefly Inferno match, on n'aura peut-être pas de match cinématographique. Beaucoup de questions se posent. Et donc nous avons le TLC match pour le titre de champion universel
entre Kevin Owens et Roman Reigns. Donc, on peut supposer que le main event sera un match cinématographique. Mais enfin bref, on passe au match. Et franchement, le match, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, il est excellent. Mis à part petit point noir, j'ai pas trop apprécié les interventions de Jey Uso, car nous avons une intervention de Jey Uso dès départ. Dès début, Jey Uso y intervient. Mais à noter quand même un Kevin Owens qui est vraiment combattant jusqu'au bout. Il va même, voilà, jusqu'à attaquer Roman Reigns dès début. Donc nous avons pas l'entrée de Kevin Owens. Nous avons Kevin Owens qui attaque Roman Reigns dans le dos. Et il veut donc prendre l'avantage. Mais on voit vraiment que WWE nous ont présenté Kevin Owens comme un babyface hyper combattant. Parce qu'il prend cher dans la gueule durant toute la soirée. Mais il est toujours debout. Il y a Jey Uso qui est présent, qui intervient trois fois. Kevin Owens s'en fout. Il s'en tamponne, il le défonce. On a des moments où Roman Reigns est en train de dominer. Kevin Owens qui revient. On a eu des énormes séquences, dont des passages à travers des tables et à table des commentateurs. On a eu un spear de Roman Reigns à travers les barrières de sécurité. Mais il s'y prend tout seul. On a eu un pop-up powerbomb de Kevin Owens à travers une table sur Roman Reigns. Franchement, on pouvait rien dire. Bien qu'on pensait que voilà, Roman Reigns allait remporter le match, mais WWE nous ont vraiment fait espérer jusqu'au bout, nous disant, putain, si ça se trouve, Kevin Owens, il va y faire. Ils vont nous faire, ces cons. Ils vont faire gagner Kevin Owens. Et franchement, je y ai cru jusqu'au bout. Il y a eu des moments où j'y croyais à fond. Mais Roman Reigns n'est pas Roman Reigns pour rien. Car en effet, nous avons le tournant du match où Roman Reigns monte sur l'échelle et porte un violent coup de poing dans les boules à papa de Kevin Owens. Donc en gros, il lui fait un chiro shot et il enchaîne avec la guillotine dans le but d'endormir Kevin Owens pour que ce dernier tombe de l'échelle. Et au final, ça marche. Et donc Roman Reigns parvient à décrocher son titre et reste champion universel. Et franchement, j'étais surexcité du début à la fin du match. Je croyais sincèrement que Kevin Owens avait une possibilité de remporter le match. Et je pense que beaucoup d'entre vous y a cru. Dites-moi en commentaire si vous avez cru à une victoire de Kevin Owens. Et donc pour ce match, j'ai peut-être me faire allumer dans les commentaires, mais je m'en fous, chacun son opinion. Je vais mettre un excellent 9 sur 10 pour ce match, car franchement, je n'ai rien à dire sur ce match. Franchement, Kevin Owens contre Roman Reigns, c'est génial. Et maintenant, mystère, c'est de se demander, est-ce que cette rivalité va continuer, ou tout simplement WWE va nous créer un nouveau catcher, un nouveau challenger pour Roman Reigns, sachant qu'on nous a annoncé que le Royal Rumble aura lieu la nuit du dimanche 31 janvier au lundi 1er février à 1h du matin sur WWE Network. Donc restez connectés, ce sera le premier show de la nouvelle année 2021. Et donc là, on nous annonce que pour le SmackDown de Noël, Sami Zayn affrontera Big E pour le titre de champion intercontinental. Non, 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 WWE. Pourquoi vous nous avez fait ça? C'était un match qui méritait d'être à TLC, putain. Mais là, franchement, si j'espère sincèrement que comme cadeau de Noël, WWE, vous allez donner le titre de champion intercontinental à Big E, parce que je pense que ce sera un énorme cadeau de Noël que vous allez faire à vos fans. Et donc là, on passe donc au main event, au Firefly Inferno match. Et donc là, beaucoup de gens se posent des questions. C'est qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un Inferno match? Donc c'est-à-dire que il va y avoir des femmes qui vont entourer ring, ou ça va être un match cinématographique à la version WWE interprété par Bray Wyatt? Beaucoup de gens se demandent. Et donc nous avons les règles, c'est qu'il n'y aura pas de tombée, pas de soumission, pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification. Le seul moyen de remporter le match, c'est de brûler son adversaire. Donc en gros, on part sur un match totalement basique avec des possibilités inimaginables de brûler son adversaire. Donc en gros, on s'en doutait bien que les catcheurs n'allaient pas venir avec leur tenue habituelle. Donc Randy Orton est arrivé en pantalon, en veste, parce que quand même, je tiens à rappeler que c'est du catch. Donc la WWE ne va pas risquer de brûler ses catcheurs. Donc c'est tout à fait normal que les catcheurs aient vraiment une tenue adéquate pour se protéger d'éventuelles brûlures. Et donc, c'est à se demander, où sont les femmes? Et quand tu regardes très très bien, les femmes sont dispersées aux quatre coins du Thunderdome. Et franchement, le match, mais qu'est-ce qui est bon, putain! Je l'ai dit ouvertement, mais c'était un match, franchement. Après, le seul problème, c'est que je ne vois pas
le sens de Firefly. Tu m'aurais dit vraiment Inferno Match version Bray Wyatt, j'aurais peut-être compris. Mais Firefly, je vois pas vraiment d'idée là-dessus. Mais bon, je cherche la petite bête. Mais franchement, le match, on voit clairement déjà, d'un côté, Randy Orton, il est terrifié face à The Fiend, il porte des coups, mais ça marche pas. Et on voit vraiment toute imagination de The Fiend pour brûler Randy Orton, parce qu'on voit qu'à un moment donné, The Fiend sort donc une ceinture, donc il tape Randy Orton, mais après, il enflamme la ceinture pour tenter de brûler Orton, mais ça passe pas. Ou sinon, il sort donc un rocking chair, donc une chaise à bascule, donc la fameuse chaise qu'on connaît tous de Bray Wyatt, asperge d'essence et fait une petite ligne d'essence, donc un peu comme on peut voir dans les films dans le but de conduire les flammes. Il pose Randy Orton dessus et on pense qu'il va brûler Orton, mais Orton parvient à se dégager. Et là, franchement, on voit tout un tas de tentatives de brûler son adversaire. Franchement, j'ai surkiffé à fond, notamment comment les flammes se sont déclenchées à la mode de Kane où Randy Orton se prend un Sister Abigail et à Bray Wyatt, The Fiend, qui lève les mains en l'air vraiment à la façon de Kane. Et donc, au match, qu'est-ce que je peux dire? On a eu, voilà, une tentative de DDT de Orton qui passe, tentative de RKO, mais The Fiend contre avec un Made in Mexico, et là, Orton intelligemment se retourne pour mettre Bray Wyatt dos aux flammes dans le but de le brûler. Mais là, j'ai pas trop compris le déroulement du match, car le principe, c'est de brûler son adversaire, mais on n'a pas eu de cloche qui a sonné, donc au final, Randy Orton n'est pas encore déclaré gagnant de ce match. Et donc, The Fiend, par réflexe, peut-être pour voilà essayer d'éteindre les flammes, remonte dans le ring et il se fait accueillir par un RKO de Randy Orton. Et là, donc, Randy Orton ne comprend pas. Il voit un The Fiend, donc, inanimé. Donc, il a peur que ce soit un piège, parce que, voilà, on connaît tous les pouvoirs démoniaques de The Fiend. Il fait comme s'il était mort, mais au final, il va se relever, il va porter un Mandy Bucko, il va brûler Orton. Donc, au final, Orton est méfiant, donc il donne des petits coups de pied, voilà, pour voir si The Fiend est animé. Ou, même encore, retourner, donc, mettre dos au sol. Et là, d'un coup, Orton, il sait plus quoi faire. Il va donc prendre une bouteille d'essence et asperger The Fiend de l'essence et il va brûler The Fiend. On va avoir un meurtre en direct. Franchement, c'était incroyable. Et donc là, je vais faire ma petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas catch addicts. Je vous rappelle que c'est un mannequin. Ça n'a rien de réel. Orton n'a pas brûlé réellement Bray Wyatt. Donc ça prouve d'un côté que ce match était un match pré-enregistré. Parce que réfléchissez, faut pas être débile, vous n'allez pas brûler un vrai catcheur. Donc on voit clairement, vous regardez les rivets, qu'il s'agit d'un mannequin. Donc voilà, donc n'essayez pas voilà d'asperger les commentaires en disant ouais mais vous savez que c'est pas vrai, mais on sait que c'était pas vrai, on n'est pas con à ce point, on est peut-être catch addict, mais on n'est pas débile jusqu'à dire que voilà WWE vont réellement tuer un de leurs employés en le brûlant en direct à la télévision. Il y a des enfants qui regardent ça, je vous rappelle. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Donc en bref, je vais me calmer un peu. Et donc au final, le show se termine avec Randy Orton qui a brûlé The Fiend Bray Wyatt. Et donc, ça se demandait quelle va être la suite pour The Fiend et Randy Orton. Est-ce que c'est la fin de The Fiend et donc une réincarnation plus tard? Franchement, je sais pas. Et franchement, ça nous hype de ouf pour Raw la nuit prochaine. Et donc pour ce match, franchement, je vais mettre un beau 8 sur 10. Parce que pour moi, voilà, c'est un excellent match. Bien que ce soit un match pré-enregistré, franchement, tu vois vraiment l'idée derrière ce match. Parce que voilà, Orton a tenté de brûler The Fiend lors du dernier Raw. Donc, ils ont voulu retranscrire là-dessus. Mais personnellement, j'aurais pas fait gagner Randy Orton. J'aurais plus fait gagner The Fiend. Mais après, voilà, c'est les choix de la WWE. Donc reste à savoir comment ils vont interpréter ça du côté de Raw. Et franchement, bah ça me hype un peu pour Monday Night Raw. Et donc là, il est maintenant temps de noter le pay-per-view. Et franchement, le pay-per-view, je suis agréablement surpris. C'est pour ça que je lui donne une très bonne note de 8 sur 10. Et franchement, WWE a très bien fini son année 2020 avec un très beau pay-per-view, un très beau TLC. Et franchement, j'espère que WWE va commencer l'année 2021
sur la même lancée qui a terminé cette année 2020. Donc voilà, cette review de TIC est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve mardi pour la review de SmackDown, pour la review de Raw, donc au prochain show, donc Raw après TLC. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.